Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission spéciale Confession intime. Tous les vendredis, à partir de 21h, nous accueillons des hommes et des femmes ayant vécu une expérience marquante dans leur vie. Ils ont pris leur courage à deux mains afin de sortir du silence et nous partager leur histoire en toute intimité. Sous l'œil attentif du psychologue M. Erol Nuissier, nous pourrons comprendre certaines émotions et appréhender certains caractères. Ce soir, nous allons parler avec Cynthia de son déni de grossesse. Préparez-vous, Intimate Talk, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous accueillons Cynthia, qui a pris son courage à deux mains afin de venir témoigner de son expérience après un déni de grossesse. Cynthia, bonsoir. Bonsoir, Mégane. Comment vas-tu, Cynthia? Ça va. Ça va, prête? Prête. Cynthia, alors tu as vécu une expérience qui t'a marquée. Tu as eu cette expérience de déni de grossesse. Raconte-nous ton histoire. En fait, j'ai eu un enfant en 2006. Donc, ma fille est née en octobre 2006. Tout se passait bien. J'ai été en visite normale chez mon gynécologue pour voir si tout allait bien après la grossesse. Elle avait 6 mois. Elle allait sur son 7e mois. Et donc, au courant de la visite, j'ai vu que son attitude avait changé. Donc, il était un petit peu embêté, on va dire. Donc, il me propose de faire une échographie. Pour moi, jusque-là, tout est normal. Je suis chez le gynécologue, échographie, ça va ensemble. Et à l'échographie, sa tête change encore plus. Donc, le gynécologue est oui, étonné. Il est étonné, il est embêté, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais moi je suis plus dans une optique, il va me dire que j'ai une maladie, j'ai un cancer, j'ai un truc. Waouh, comment je vais aborder la chose? Donc finalement, il me regarde, me dit, bon, ok, il me dit, tu es enceinte. What? Donc je, comme on s'entend bien, je lui dis, mais c'est, la blague, elle n'est pas bonne, tu vois, le maxicosi, c'est pas possible. Il me dit non, mais c'est pas une blague, tu es enceinte. Donc je rigole. Je dis, c'est pas, on arrête la blague là. Non, là, c'est pas possible. J'ai plus envie de rire. On arrête la connerie. Il me dit, ben, je suis vraiment sérieux, tu es enceinte et je peux même te dire le sexe du bébé. Quand il m'a dit sexe du bébé, donc je me suis dit, sexe veut dire plus de 3 mois. Ah, mais bien sûr. Il me dit, oui, c'est un petit garçon, tu abordes ton 6e mois, mon Dieu. 6e mois. Mon Dieu. Et il n'y a eu aucun symptôme Alors, rien? Je faisais taille 38, 6 mois de grossesse, pas de vomissement, menstruation normale, tout va bien, j'ai aucun tout problème. Je faisais du sport, d'accord. J'ai toujours été sportive, donc j'ai repris mes activités sportives, je travaillais, je n'avais aucun symptôme. Je n'étais pas fatiguée. Pas du tout. Rien. Donc, quand il m'a annoncé le nombre de semaines de grossesse et le sexe du bébé, je me suis effondrée. Littéralement. Pleurs, la tristesse, le choc, comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ta première émotion qui est arrivée? C'est ma première émotion. Ça me fait mal de dire ça parce que je lui ai dit que j'en voulais pas en fait. Tu n'as pas voulu du bébé non. Tout de suite? Non. Donc c'était vraiment un déni ou vraiment un refus de se dire maintenant je suis enceinte, j'attends un deuxième enfant. Après un troisième, puisque j'avais déjà un premier enfant qui est né en 2000. D'accord. Donc ça me faisait un troisième, mais c'est même pas le fait d'avoir un troisième enfant parce qu'à la base, quand j'ai été en âge de décider, je voulais 6 enfants. Donc tu voulais une famille nombreuse. Je voulais une famille nombreuse, mais c'est juste le fait d'avoir un bébé de 6 mois et avoir un autre bébé dans le ventre, comment je vais faire? C'est comme si on a des jumeaux en fait. Mais tout à fait. Et j'étais pas prête à ça. J'étais pas prête parce que je voulais m'occuper de ma fille, parce que j'ai pas pu m'occuper de mon premier enfant comme je voulais, parce que j'ai travaillé tout de suite. Et là, je me suis dit, mais c'est la cata, comment je vais faire? Comment je vais annoncer ça à mon compagnon? Surtout. À ma famille. Et malgré, je suis quelqu'un d'assez indépendante, je ne m'occupe pas du regard des autres, là, je me suis posé la question, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et ça n'a pas raté. Quelle a été la réaction du gynécologue, le process en tout cas qu'il a dû utiliser pour vous rassurer? Parce que je suppose que lui-même, il était un peu gêné de vous dire, de te dire. Il n'était pas gêné, il n'était pas gêné, mais il savait que ça m'aurait choqué. Donc il a dû me parler avec délicatesse,
jusqu'à ce qu'il voit qu'il n'y a pas moyen de me consoler, que j'étais en train de répéter, je n'en veux pas, je n'en veux pas, il faut trouver une solution. Et il m'a expliqué, il m'a dit, on est sous le coup de la loi française. Après 12 semaines, c'est impossible. J'ai D'accord. largement dépassé les 12 semaines, donc il n'y avait pas moyen. La seule solution, c'était de partir, je crois, en Espagne pour pouvoir faire ça, que ça avait un coût. Est-ce que je m'en rendais compte, quoi? Bon, prostré dans ma douleur, moi, je veux enlever cet enfant. Donc tu étais décidée Oui. à retirer cet enfant, malgré les 6 mois résolus. Oui. En fait, je ne réalisais pas que j'avais 6 mois, en fait. Hein. Je voulais juste pas de bébé, en fait. Alors, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as dû annoncer ça à ton compagnon? Est-ce que tu es resté à pleurer? Est-ce que tu es resté tétanisé? Ou au contraire, tu t'es dit non, je vais devoir assumer? Non, j'étais inconsolable. Et justement, par rapport à cela, il a dû me secouer. Donc, quand il a vu que je réagissais toujours pas, il a commencé à élever le ton et à me dire, bon, ça suffit. Maintenant, tu arrêtes de pleurer. Parce que dans la salle d'attente, il y a une dame qui est en train de pleurer. Et c'est pour le contraire de ta situation. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, sois heureuse, remercie Dieu et Assume, ressaisis-toi. ressaisis-toi. Voilà, il m'a secoué, mais vraiment, là, il a élevé le ton. Là, il a été, il Alors, et était pas content. comment tu t'es sentie, Cynthia, à ce moment? Mais en Comment? fait, j'étais choquée parce qu'il m'avait jamais parlé comme ça. Donc, je me suis dit, mais Donc là, il a remis, il a tapé oui, il est sérieux ou du c'est poing. qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vrai que ça m'a, j'ai arrêté de pleurer à la fraction de seconde où il m'a dit ça, parce que ça D'accord. touche hein, le fait de l'entendre me dire que la dame pleure parce que elle a déjà fait plusieurs FIV qui n'aboutissent pas et elle n'arrive pas à avoir d'enfant et elle veut un enfant. Et que moi, j'ai ce cadeau, en Et moi, tu j'ai n'en la veux vie, pas. je n'en veux pas. C'était réglé. J'ai arrêté de pleurer. Je me suis levée, j'ai pris le maxi-cosi et j'ai été m'asseoir dans la salle d'attente. J'ai vu la dame. Je l'ai vue. J'ai vu cette dame. Je me suis dit, waouh, il a raison, j'arrête. Je me calme, mais je ne pouvais toujours pas partir hein, pour prendre ma voiture, Tu pour as perdu partir. toutes tes J'ai forces. perdu tous mes moyens parce que comment, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais expliquer ça? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que j'avais un moyen de contraception, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Après un accouchement, on a une pilule qui est mini-dosée et on n'a pas forcément le réflexe quand on vit en couple de se protéger avec un préservatif. Pour nous, c'est pas... C'est pas Non. la priorité en tout cas, Exactement. sachant que toi Exactement. tu prends tes C'est contraceptions, ça. donc tu te dis que Voilà. pour le coup tu ne vas pas tomber enceinte 6 mois Voilà. après Moi, non. Non, pour moi, c'était pas pensable. Je me suis dit, notre non, ça enfant. ne va pas m'arriver. Ça arrive toujours aux autres, hein, jamais à soi. Effectivement. Donc, bon, je me suis assise, j'ai été soutenue par la secrétaire du gynéco et j'ai appelé mon compagnon pour lui demander de venir parce qu'il y avait un problème, il fallait qu'il vienne parce que je ne pouvais pas prendre la voiture. Donc, il est arrivé. Et lui, tout le contraire de moi. Le gars était ravi. Il me dit, mais je ne comprends pas où est le problème, pourquoi je me mets dans ces états, etc. Donc, je le regarde, je me dis, mais il n'est pas bien en fait, il ne comprend pas. Donc, je lui dis, on va avoir un deuxième bébé là, qui, dans quelques mois là. Je n'ai pas de papier, j'ai rien. En plus, je venais de reprendre mon travail. Puisqu'on a quelques mois de congé de maternité, je venais de reprendre mon travail. Mes collègues, elles vont dire, quoi? Je fais quoi en fait? Non, il était. C'est parfait, Alors, ça ne le ton dérange compagnon, pas. il était plutôt Oui, heureux, pardon. ça ne le dérange pas. Donc, c'est lui qui vous a un peu rassuré, Oui. qui... Il a tout fait. Il a acheté tout ce qu'il fallait pour l'enfant. Moi, j'ai rien fait. Que dalle. Mais toi, dans tout ça, Cynthia, comment tu as fait pour vivre avec ça? Lorsque l'enfant, le bébé est arrivé, est-ce que tu as assumé? Est-ce que tu étais heureuse finalement? Ou au contraire, tu as eu un moment de rejet vis-à-vis Non. de ce bébé en tout J'ai cas? jamais eu de rejet. À la fraction de seconde où j'ai tenu mon fils, je l'ai aimé, en fait. J'ai eu aucun rejet. J'ai eu D'accord. aucun rejet. Ça a été un accouchement spécial, très spécial, parce que je m'en voulais en fait d'avoir voulu l'enlever. Et quand je l'ai regardé, non, j'ai eu aucun rejet. J'étais contente, j'étais heureuse. Tu as eu des regrets Beaucoup. après avoir dit je ne veux Beaucoup. pas de ce bébé, Beaucoup. de cet Et enfant. j'en aurai toute ma vie. Toute ma vie aujourd'hui. Mon fils a 12 ans, il a eu 12 ans au mois d'octobre et il est au courant. Non, il est au courant. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, je lui ai expliqué la situation, comment il est né, qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand je lui ai donné son prénom, ça a été très difficile pour moi parce que je ne trouvais pas de prénom. Donc son prénom est composé du prénom de son frère et du prénom de sa sœur.
Voilà. Mais ne pas trouver de prénom, est-ce Parce que je que... ne voulais pas d'enfant, donc Voilà, j'étais... donc vous n'étiez pas du tout Non. Non. préparée. Son prénom, c'est son frère et sa sœur. C'est son prénom. C'est exceptionnel quand même. C'est exceptionnel. Tu as dû fabriquer un prénom. Et ça lui va super bien, son prénom. C'est original. Oui. Mais non, franchement, c'est un déni de grossesse. Ça a été une expérience particulière. Mais j'ai un rapport avec mon fils particulier parce que pour lui, je suis la plus jolie maman du monde. Il me le dit tous Ah. les jours. Il ne part pas à l'école sans venir m'embrasser, même si je dors. Et on est Finalement, c'est fusionnel. On est l'enfant, fusionnel. l'enfant qui aime tellement sa Oui, maman, ouais, c'est lui voire qui est. celui qui aime le plus sa D'ailleurs, maman. quand il est né, pendant 3 ans, il ne voulait aller sur personne à part maman et papa. Personne ne pouvait le prendre. Il hurlait. Quand je l'ai emmené à l'école, pour la première fois, ça a été le déchirement total. Déchirement total, il ne voulait pas. Mais au final, le sixième mois arrive, le gynécologue, pardon, vous annonce, vous êtes enceinte, madame. Et toi, tu n'as rien eu, même pas une sortie de ventre au dernier moment. Alors, c'est le plus folklorique. Le lendemain, quand je suis arrivée au travail, j'ai eu mon ventre de 6 mois, tout de suite. Alors, d'un Je coup, le faisais plus ventre a tard 38, poussé. oui. C'est Donc, je suis exceptionnel. arrivée, les collègues m'ont vu la veille plate, j'arrive avec le ventre énorme. Donc, Alors, c'est mental. c'est mental. Le gynécologue m'a expliqué que c'était mental. Je ne saurais l'expliquer, hein, puisque j'ai fait que constater que le soir, pendant le soir, j'ai du ventre. Mais tu as Et eu de j'ai pas la de vêtements de grossesse, c'est magnifique. tu as eu de la chance quand même d'avoir la possibilité de savoir assez tôt. Parce qu'il y a certaines qui ne savent pas et qui Qui accouchent accouche le... Ouais. subitement et se Oui. disent, oh mon Dieu, mais je suis enceinte, j'attends un bébé. Et souvent on a des rejets parce que entre le temps, l'idée de se dire, voilà, c'est bon, je suis enceinte, Oui. c'est dur. Oui. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un suivi médical correct. Donc, voilà, ma visite normale Pas de m'a fait découvrir. dépression, au contraire. On va dire le reste de la grossesse, oui, une petite dépression quand même, des primes. Toujours à me demander comment je vais faire en fait. Comment je vais faire appréhender, est-ce que je vais savoir gérer 2 bébés en même temps? Et au final, mes 2 enfants sont fusionnels. Ils se chamaillent, mais ils sont fusionnels et Ils ils ont sont grandi comme, ensemble. oui, ils sont comme des jumeaux. Ils sont comme D'accord. des, tout le monde leur demande s'ils sont jumeaux d'ailleurs. Tout le monde leur demande, ils se ressemblent énormément physiquement. C'est vrai que mon fils, les deux là, ils sont nés prématurément, mais mon fils est resté un peu petit par rapport à sa sœur, mais le visage, il se ressemble beaucoup. Bonsoir, Monsieur Hérone, ici. Bonsoir, Mégane. Alors, nous avons pu regarder le témoignage de Cynthia. C'est une expérience inédite, hein, quand même, Bien sûr. d'apprendre très, très tardivement, en tout cas, d'être enceinte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son histoire? Alors d'abord, effectivement, elle a évoqué le véritable déni de grossesse, puisque c'est à partir du 3e mois de grossesse qu'on parle de déni, c'est-à-dire que tant qu'on peut encore faire une intervention, on ne parle pas de déni de grossesse, donc c'est après. Deuxième chose, on a ce qu'on appelle un déni partiel, puisqu'elle se rend compte à un moment, mais parce qu'elle est régulièrement suivie, donc par conséquent, le gynéco lui indique qu'elle est enceinte, la réaction de sidération, de stupéfaction. On voit tout de suite, je veux dire, elle comprend ce qui se passe, le ciel lui tombe sur la tête, elle n'est pas préparée. Et je pense que ça, c'est l'élément aussi qui est important. C'est-à-dire, la réaction première est bien spécifique au déni de grossesse. Ce qu'elle dit aussi de son contexte, elle venait d'être enceinte. Donc pour elle, elle n'imaginait même pas avoir une autre Retomber enceinte de grossesse. suite. Voilà, c'était ça qui est important. C'est-à-dire que cette notion de déni, c'est-à-dire que j'imagine pas avoir un autre enfant parce que c'est déjà difficile de m'occuper de ce premier, avec en plus un élément qu'elle a ajouté en disant, mais Gilles, je me rappelle que mon premier enfant, je n'avais pas eu seulement de temps, un peu comme une espèce de frustration. Donc, un peu comme si cette frustration s'accumule à la deuxième grossesse. Donc, il dit non, 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 il faut absolument. Mais ça, c'est inconscient, parce que consciemment, elle ne se dit pas ça. Hein, parce que nous savons aussi que 80% de nos pensées, de nos actes, sont d'origine inconsciente. On les voit apparaître, on les voit s'exprimer, mais en réalité, c'est notre inconscient qui parle. Et là, on voit bien que dans les grossesses, son inconscient parle. Alors, on a pu constater sa réaction. Sa réaction était vraiment virulente. Hein. Elle ne voulait pas de l'enfant. Elle ne s'est pas dit tout de suite, non, bon, c'est comme ça. Elle a vraiment dit, il faut trouver une solution pour Tout à fait. retirer cet enfant. Alors, on voit bien qu'effectivement, que face à ce choc,
il faut deux chocs. Le premier choc, c'est celui du gynécologue qui dit, Martin, il y a Notre-Dame qui est en train de pleurer, qui voudrait avoir un enfant. Donc effectivement, ça la ramène à la réalité. Donc finalement, moi, j'ai la chance d'avoir un enfant, alors que pour moi, c'est une malchance. Il y en a qui n'ont pas la chance d'en avoir. Deuxième réaction, c'est qu'on dit, écoute, ben, c'est normal, et alors je veux dire, lui, il banalise cette situation qui, pour elle, est quasiment un choc. Donc le fait de la renvoyer à la réalité, de la souffrance d'une autre maman, enfin d'une autre dame qui pourrait être maman, qui n'arrive pas à être maman, et le fait que son compagnon voit les choses de manière banale, finalement, elle lui dit, mais peut-être que c'est pas si dramatique que ça. Tout à fait. Et parce que aussi, elle se rend compte qu'elle n'est pas seule, et c'est ça qui est important. Le déni de grossesse est difficile parce qu'on est enfermé dans sa souffrance et personne ne vient nous chercher. Son compagnon vient la chercher pour l'amener, lui, mais finalement, mais on va s'organiser. Il y en a un, il y en a deux, c'est pas grave, on va s'organiser. Donc finalement, elle sent qu'elle n'est plus seule et que l'enfant dont elle rêvait de s'occuper, elle va quand même pouvoir le faire. Ce qu'elle a évoqué aussi, c'est une espèce d'accélération. Et ça, c'est un élément qui est assez caractéristique. Le ventre a poussé d'un coup. Cette force psychique est étonnante. Dans tous les délais de grossesse, on voit apparaître le ventre brutalement du jour au lendemain. Comme si, de manière un peu miraculeuse. Et on l'a vu aussi dans sa situation. Oui, tout à fait, parce qu'elle le dit, lorsque le gynécologue a annoncé qu'elle était enceinte, le lendemain, eh ben, elle avait un ventre de 6 mois. C'est ça. Et c'était impressionnant parce qu'elle se dit, mais attends, pendant tous ces mois, je n'avais aucun symptôme. Donc, on peut se dire que c'est mental. Donc, c'est le mental qui crée cette barrière. Exactement, exactement. Cette puissance du mental qui fait que le bébé est placé de manière différente. Au lieu d'être vers l'avant, il est vers le haut. Et par conséquent, le ventre est quasiment plat. On ne se rend pas compte de ça. Mais alors, ce qu'elle a décrit aussi, c'est un peu cette souffrance, ce sentiment de mal-être, parce qu'elle n'a pas construit la relation avec son enfant. Elle a senti, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et par conséquent, il y a toute une élaboration mentale qui se met en place en disant, mais non, il faut absolument que je reconnecte avec cet enfant. Parce que lorsqu'une maman porte son enfant, elle lui parle, elle en parle tout avec fait, sa famille, tout liens. Le monde participe. Alors que là, elle n'a pas eu le temps de créer un lien, ou presque à son insu. Et donc, il y a une espèce d'accélération à la fois de la grossesse qui apparaît, mais elle aussi, dans son statut de maman, il faut absolument que j'entretienne le lien avec cet enfant. Mais en même temps, elle dit, mais la question du nom, mais quel nom je vais lui donner ? Ben, comme il est entre deux, finalement, on va lui donner... C'est-à-dire que le fait de le rattacher aussi à son frère et à sa sœur en fait son fils. Tout c'est à pas fait. Un enfant comme ça, mais c'est bien, il est dans la lignée. Donc c'est déjà un premier geste symbolique. Le deuxième geste symbolique, c'est aussi de nouer les liens corporellement avec lui, affectivement. C'est-à-dire que tu te rends compte que finalement, au lieu de le penser, ben, si je le vis corporellement, eh ben, il va prendre sa place aussi comme mon enfant. Et c'est vrai qu'effectivement, le sentiment d'affection, le lien d'amour se crée, pas seulement dans la tête. C'est bien parce qu'on le vit que l'on aime son enfant. Le fait de le sentir contre lui. Et puis on voit aussi quand même cette capacité qu'a l'enfant à se reconnecter à sa mère, où il vient la voir, il l'embrasse, il lui parle. Donc lui aussi, il recherche à construire ce lien. Il aide la maman à devenir maman. Parce que mère, c'est ce qu'on veut, bien sûr, mais c'est aussi l'enfant qui nous aide à... Donc, devenir mère. À être parent, oui, tout à fait. Alors, et pour toutes ces femmes qui n'ont pas eu la chance, comme Cynthia, de savoir par leur gynécologue, oui, vous êtes enceinte. Parce que le déni de grossesse, alors, comme vous avez dit, c'est un déni de grossesse partiel. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance d'arriver à ce terme ou d'avoir quelqu'un pour les suivre. Et au final, on se retrouve avec de mauvaises surprises. Alors, des abandons de bébés, meurtres de bébés aussi, ça arrive, le plus dramatique. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces femmes qui se retrouvent dans ce cas et qui n'ont pas la possibilité d'être aussi bien entourées que Cynthia, par exemple? Elle a eu son gynécologue, elle a eu la secrétaire, elle a eu son compagnon. Et au final, elle s'est eue elle-même quand son enfant est arrivé, et les parents autour, les frères et sœurs, enfin, voilà. Mais les autres, alors, celles qui n'ont pas tout ça. C'est très très important qu'on mette en place un accompagnement, d'abord familial, c'est-à-dire qu'on permette à l'enfant de trouver sa place dans toute une famille pour que la maman ne soit pas seule avec cet enfant. C'est ce qui est le plus dramatique et le plus douloureux, et il peut entraîner des situations extrêmement graves, comme effectivement l'homicide, c'est-à-dire le parent qui tue donc son enfant. Le fait de mettre l'enfant dans une famille fait que tout le monde va être présent. Par conséquent, la mère n'aura pas la seule charge. Parce que la culpabilité, mais aussi le poids d'éduquer, de s'occuper d'un bébé.
Troisième chose, il faut un accompagnement spécialisé. Nous, psychologues, nous sommes là aussi justement pour accompagner ses parents, cette famille, pour faire en sorte que l'enfant prenne sa place et que le lien se noue, se construise petit à petit. Parce qu'en réalité, ce lien qui a été défaillant initialement, on peut le reconstruire. Pour peu qu'il le veuille, pour peu qu'on ait aussi, comme on a vu dans le cas de Cynthia, des enfants qui sont volontaires pour confier le lien et pour dire « mais effectivement, je suis ton enfant et tu es ma maman ». C'est-à-dire qu'il la reconnaît comme étant sa mère et il fait tout justement pour nouer le lien avec elle. Tout à fait. Alors, ces femmes qui se retrouvent toutes seules pour éviter les dépressions, pour éviter de se retrouver, comme vous dites, trop éloignées de la famille, pour éviter aussi d'avoir un rejet systématique de cet enfant. Lorsque le bébé sort, au moment où le bébé sort, quel est le déclic chez certaines femmes? Est-ce qu'elles se disent, mon Dieu, c'est un malheur, c'est un bonheur, c'est... On se demande bien où on peut arriver, parce que, encore une fois, elle a eu cette chance. Bien sûr. Alors... Mais le plus souvent, on n'a pas cette chance. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas le suivi nécessaire pour savoir assez tôt si on est dans un cadre de déni de grossesse, de fausse couche, enfin voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est que c'est la cause initiale du déni. Là, elle n'était pas prête à avoir un enfant. Mais ce n'est pas dire qu'elle ne voulait pas d'enfant. Dans le déni de grossesse, il y a plusieurs formes de déni. Et il y a des mères qui ont subi des violences sexuelles, qui sont enceintes et qui ont voulu oublier cette relation de violence. Et là, effectivement, c'est une situation dramatique. Il y a des mères qui ont aussi, qu'on appelle des pathologies mentales, qui font que pour elles, être enceinte ou c'est pas grand-chose, elles ne se rendent pas compte. Donc, tout dépend des causes, je dirais, du déni. Ce sont des causes pathologiques, ce sont des causes, je dirais, de souffrance psychique importante, de drame, de violence physique, sexuelle. Alors, il faut mettre en place tout un accompagnement, tout un arsenal particulier. Généralement, ce qu'on fait, c'est que l'équipe du service de maternité prolonge le temps à l'hôpital, le temps justement de faire le point, faire en sorte que les spécialistes viennent sur place, rencontrent cette maman et observent cette relation. Au lieu de sortir au bout du troisième jour, mais elle va rester une semaine. Et d'ailleurs, la notion aussi de prise en charge mère-enfant, elle est bien dans la tête de tous les professionnels. C'est-à-dire que s'il faut qu'elle soit hospitalisée pendant 15 jours avec son enfant, ben, elle le sera, pour qu'on puisse lui permettre de nouer ses liens, pour dire que l'équipe sera avec elle et que quand ça sera trop difficile, quelqu'un va prendre le relais. Il y a les auxiliaires de puériculture, les sages-femmes sont aussi là. Donc, je veux dire, il y a quand même aussi un personnel qui aide la maman à retrouver le lien avec son enfant. Par conséquent, un temps d'observation en milieu hospitalier, avec une équipe pluridisciplinaire, avec des personnels compétents qui vont permettre à ce que cette maman puisse faire son choix et de nouer le lien. Si effectivement, elle peut dire qu'elle ne souhaite pas garder cet enfant, ben, il y a une procédure qui existe. Si elles veulent renoncer à cette maternité, ben, elles vont consentir à l'adoption ou accoucher dans le secret. En tout cas, la loi prévoit un certain nombre de choses et l'équipe est toujours là pour accompagner cette maman, pour nouer les liens ou faire en sorte de protéger cet enfant, protéger cette maman et qu'il puisse évoluer de manière satisfaisante, élevé par sa mère ou par une autre maman. En tout cas, il existe des possibilités. Alors, est-ce qu'une dernière question, M. Erwan Muissier, est-ce qu'en finalité, un déni de grossesse peut avoir une répercussion sur le long terme? Quand je dis sur le long terme, est-ce que si au début, elle n'a pas voulu cet enfant, toute sa vie, elle ne voudra pas de cet enfant? Qui veut dire qu'elle va continuer à alimenter un certain rejet, une certaine distance. Est-ce que ça peut arriver? Alors, c'est vrai que tous les enfants naissent dans un contexte particulier. Quand ils ont été désirés, automatiquement les parents arrivent plus facilement à nouer le lien avec eux et que l'enfant aussi répond de manière éco-pratique, c'est-à-dire dans un lien de communauté avec donc, quoi, le parent. Dans le cas du déni, effectivement, tout dépend de la cause. Si c'est une cause dramatique et un refus d'enfant et un rejet de son corps et le fait qu'on ne s'imagine même pas comme maman, il peut y avoir effectivement des souffrances importantes pour la maman et pour l'enfant durant les années. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la souffrance du déni de grossesse, pour peu que l'accompagnement se fasse de façon efficace, fait en sorte que même s'il peut y avoir quelques traces, mais que l'essentiel sera dépassé, que l'enfant pourra évoluer de façon satisfaisante et que le lien avec la mère pourra se faire de façon plus qualitative, si on peut dire. Merci en tout cas, Monsieur Erwan Muissier, d'être ici sur ce plateau. Et chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.